Je vous propose un résumé et une analyse d'orgueil et préjugés de Jane Austen. Orgueil et préjugés s'ouvre sur la nouvelle qu'un jeune homme riche, Charles Bingley, arrive à Netherfield Park, un grand domaine. La nouvelle est accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par les membres de la famille Bennett qui vivent dans le domaine voisin de Longbourn, dans le village du même nom. À Madame Bennett, la nouvelle est particulièrement bienvenue. En tant que mère de cinq filles célibataires, son objectif le plus urgent est de voir chacune de ses filles se marier. Les sœurs Jane, Elizabeth, Mary, Catherine, qu'on appelle Kitty, et Lydia sont intriguées par cette nouvelle arrivée et ravies lorsque la famille est invitée à assister à un bal où Monsieur Bingley apparaîtra. Au bal, Jane, la fille aînée des Bennet, et Monsieur Bingley ressentent une attraction mutuelle. L'un des amis de Bingley, Fitzwilliam Darcy, assiste également au bal. Sa distance et son comportement hautain envers Elisabeth, la deuxième des sœurs Bennet, contrastent avec les manières gracieuses et joyeuses de Bingley. Au fil des semaines, lors de divers événements, M. Darcy est intrigué par Elisabeth, mais elle garde une mauvaise impression de lui sur la base de son comportement antérieur. Cependant, une parade nuptiale entre Jane et Charles Bingley semble se développer et les sœurs Bingley invitent Jane à visiter Netherfield. En s'y rendant, elle est prise dans une tempête de pluie et tombe malade. Élisabeth part pour Netherfield pour s'occuper de sa sœur. Son apparition et son séjour à Netherfield créent une certaine tension pour Caroline, la sœur de Bingley, qui remarque l'intérêt croissant de Darcy pour Élisabeth. Caroline se considère comme un meilleur parti pour le riche gentleman. L'un des cousins de Bennett, M. Collins, visite la maison Bennett. M. Collins, un ministre de Hunsford, hérite du domaine de Longbourn. Cet arrangement est le résultat de lois exigeant que les successions soient transmises à des parents masculins. Lady Catherine de Bourg, la personne qui l'a aidé à atteindre son poste de ministre lui a demandé d'épouser l'une des filles Bennett. Il demande Elisabeth en mariage, elle le trouve pompeux et odieux et le refuse catégoriquement, contre la volonté de sa propre mère. Profondément offensé, M. Collins propose ensuite à Charlotte Lucas une amie d'Elisabeth. Elle accepte sa demande. Les sœurs Bennett rencontrent un groupe d'officiers de milice qui sont stationnés près de chez elles. Elizabeth s'intéresse à un beau soldat, George Wickham, qui lui parle de sa relation passée avec M. Darcy. Wickham explique à quel point Darcy était cruel envers lui. Ces informations confirment les mauvaises impressions d'Elizabeth sur M. Darcy. M. Darcy et les Bingley quittent Netherfield de manière inattendue pour se rendre à Londres. Jane est contrariée parce qu'elle espérait que sa relation avec M. Bingley allait s'épanouir. Lorsque Jane se rend à Londres peu de temps après, Caroline Bingley la traite grossièrement, et Jane ne voit pas monsieur Bingley du tout. Elisabeth va voir son amie Charlotte, qui est maintenant mariée à monsieur Collins. En rendant visite à son amie, Elisabeth voit Lady Catherine de Bourg, qui est également la tante de Darcy. Lors de la visite d'Elisabeth chez les Collins, Darcy fait plusieurs apparitions. Lors d'une de ces visites, il choque Élisabeth avec une demande en mariage maladroite. Elle le refuse, lui disant qu'elle trouve son attitude hautaine et son intervention dans l'affaire de Jane intolérable. Elle l'accuse également de conspirer pour garder Jane et M. Bingley à l'écart. Enfin, elle lui reproche son comportement cruel envers Wickham. Après le refus d'Élisabeth, Darcy réapparaît avec une lettre qui explique tout. Il lui dit qu'il a encouragé Bingley à se séparer de Jane parce qu'il ne pensait pas qu'ils étaient vraiment amoureux l'un de l'autre. Il révèle également que Wickham est un scélérat. Elizabeth commence à repenser ses sentiments à propos de Darcy. Quand elle arrive à la maison, elle snob Wickham. À ce moment-là, la milice locale doit déménager à Brighton. Lydia, particulièrement consumée par le flirt avec les officiers, est contrariée. Elle supplie avec succès son père de lui permettre de rester avec un ami de la famille à Brighton pour l'été. Pendant l'été, Élisabeth part également en vacances, cette fois avec son oncle et sa tante, Monsieur et Madame Gardiner. Ils voyagent dans le nord de l'Angleterre, dans le quartier de Pemberley. Une fois assurée que Darcy n'est pas dans les parages, Élisabeth se sent libre d'explorer Pemberley et ses bâtiments et terrains exquis. Alors que son attitude à son égard devient encore plus favorable, Darcy apparaît de manière inattendue. Il encourage Elizabeth à passer du temps avec sa sœur, Georgiana. Au cours de cette visite, Elizabeth reçoit des nouvelles choquantes de chez elle. Sa plus jeune sœur Lydia s'est apparemment enfuie avec Wickham. Sachant que les actions de Lydia pourraient potentiellement déshonorer la famille Bennett, Elizabeth confie ses nouvelles à Darcy, puis rentre chez elle. Monsieur Gardiner et Monsieur Bennett recherchent Lydia et Wickham. Finalement, Gardiner les localise et rapporte qu'un bienfaiteur a pris des dispositions pour que Wickham épouse Lydia en échange d'un revenu annuel, sauvant ainsi la famille Bennett du scandale. La famille est soulagée. Elisabeth apprend plus tard que Monsieur Darcy est la source de l'argent qui sera versé à Wickham elle est mortifiée que sa famille ait causé un tel scandale mais aussi touchée par l'intervention de darcy. après un bref retour à longbourn george et lydia wickham partent pour le nord de l'angleterre où wickham est maintenant stationné peu après m. bingley retourne à netherfield et, re et cherche jane une fois de plus il lui fait sa demande en mariage et la famille est ravie. Darcy est également réapparu et semble mal à l'aise avec Élisabeth. Lady Catherine de Bourg vient à Longbourg et, à l'étonnement d'Élisabeth, tente d'obtenir d'elle une promesse de refuser toute proposition de son neveu. Élisabeth n'est pas d'accord avec cela, même si aucune proposition n'a été faite. Peu de temps après, Darcy dit à Élisabeth que ses sentiments pour elle n'ont pas changé et lui demande de l'épouser. Elle accepte volontiers. Les deux sœurs aînées Bennett sont mariées aux deux amis et s'installent l'une près de l'autre, donnant une fin heureuse au roman. Les contraintes sociales sont évidentes tout au long du roman. Les gens connaissent leur place dans la société. Les Bennett sont membres de la gentry ou classe foncière, mais ils ne sont pas très riches et ont des parents faibles engagés dans le commerce. Ils peuvent socialiser avec les riches Bingley et la famille aristocratique Darcy, mais les distinctions de classe régissent toujours toutes les interactions entre ces personnages. Lady Catherine de Bourg est un bon exemple d'un personnage qui remet les gens à leur place. À la fin du roman, elle fait appel à Elisabeth et exprime avec assurance qu'elle s'attend à ce qu'Elisabeth reste dans sa classe et n'épouse pas Darcy. Si vous étiez sensible à votre propre bien, dit Lady Catherine, vous ne voudriez pas quitter la sphère dans laquelle vous avez été élevé. Monsieur Collins, qui idolâtre Lady Catherine, personnifie également une adhésion servile aux distinctions de classe. En tant que personne qui s'est élevée plus haut qu'il n'aurait pu s'y attendre, de fils d'un marchand à ministre, il fait tout son possible pour rendre hommage à sa bienfaitrice qui l'a aidé à occuper son poste. Dans une scène révélatrice, il insulte Elisabeth en lui disant que ses vêtements simples sont appropriés parce que Lady Catherine aime être mieux habillée que ses invités. En tant qu'enfant d'un homme qui a fait, plutôt qu'hérité, sa richesse, les Bingley sont de nouveaux membres de la classe supérieure. Soucieuse de renforcer son statut social, Caroline Bingley regarde les personnes de statut inférieur comme si elle pouvait rabaisser son nom de famille. Darcy, très conscient des distinctions de rang, est bien conscient de l'interdiction implicite de se marier en dessous de sa classe sociale. Pourtant, la puissance de son amour pour Élisabeth et sa reconnaissance de sa valeur en tant qu'égale intellectuelle et émotionnelle dépassent son adhésion initiale aux distinctions de classe. Dans Orgueil et Préjugés, l'importance de la réputation, en particulier de la réputation d'une femme, est tissée à travers le roman. Au début de l'histoire, Elizabeth se rend à Netherfield où sa sœur Jane est tombée malade en rendant visite aux Bingley. La promenade de trois milles l'emmène à travers un terrain boueux. À son arrivée, Caroline Bingley regarde les jupes boueuses d'Elizabeth avec dédain, n'exprimant aucune empathie ni admiration pour le dévouement fraternel d'Elizabeth. Lorsque Lydia et George Wickham s'enfuient, les Bennet sont presque hystériques. En pensant au déshonneur potentiel de Lydia et à la façon dont elle peut nuire à la réputation de la famille et aux perspectives de mariage de ses sœurs, M. Collins écrit pour leur recommander de renier Lydia et de la considérer comme morte. Même après que le problème a été résolu et que le couple a été légitimé par le mariage, M. Bennett doit être convaincu d'admettre le couple chez lui. Leur mariage sera toujours entaché de scandale parce qu'il est de notoriété publique que Lydia et Wickham ont vécu ensemble pendant deux semaines avant de se marier. Darcy orchestre le mariage de George Wickham avec Lydia, lui fournissant un revenu et l'installant dans une nouvelle affectation militaire pour s'assurer que la réputation de Lydia est sauvée. C'est un acte qui prouve son amour pour Elisabeth, car il protège les Bennet de l'ostracisme social lié au scandale. Ces mesures drastiques pour sauver la réputation de Lydia soulignent l'importance que la société accorde à la réputation d'une femme. Si la famille d'Elisabeth est déshonorée par les actions de sa sœur, Darcy ne pourra plus jamais envisager d'épouser Elisabeth. Au centre d'orgueil et préjugés se trouve l'histoire d'amour entre Elisabeth et Darcy. Mais ce n'est pas une romance de type coup de foudre. Leur première rencontre produit des impressions mutuellement négatives. La tension qui se construit à mesure que leur relation évolue crée l'énergie qui alimente l'intrigue, créant un suspense envers ce que les lecteurs espèrent être une fin heureuse. Le chemin de l'amour est jonché de malentendus et de complications. Darcy, trouvant d'abord l'apparence d'Elisabeth seulement à peine tolérable, devient de plus en plus attiré par sa vivacité et son esprit, même si sa fierté lui fait sentir que son attraction pour une femme socialement inférieure est indigne de lui. Sa proposition maladroite ne fait que durcir l'impression initiale d'Elisabeth de son snobisme et de sa froideur, une impression qu'elle permet à tort à Wickham de favoriser. Darcy surmonte finalement son orgueil, acceptant Elisabeth telle qu'elle est, Malgré le fait que sa famille n'est pas riche et inférieure à la sienne. Élisabeth pour sa part doit également ravaler la fierté qu'elle porte dans son jugement sur les gens, car elle finit par se rendre compte que l'orgueil de Darcy repose davantage sur l'honneur que sur la classe, que sa réserve est plus un sérieux naturel que du snobisme et ce qui lui manque de charme, il le compense avec sa grandeur d'âme. En fin de compte, les deux se rendent compte que leur parti complémentaire crée un tout parfait. Ils sont faits l'un pour l'autre. Trois couples du roman ont la chance de se marier par amour. En plus d'Elizabeth et Darcy, Jane et Bingley et les Gardinaires ont des mariages fondés sur l'amour. D'autres couples présentent une vision différente de l'amour et du mariage. Le mariage des Bennet a été provoqué par une attraction initiale qui s'est rapidement estompée. Le mariage de Lydia et Wickham fondé sur l'attraction sexuelle est sûrement destiné au même sort. Le mariage de Charlotte avec Collins est basé sur la commodité. Elle a besoin d'un mari et lui d'une femme. Jane Austen montre cependant à travers ces deux personnages qu'un tel mariage peut avoir quelques consolations. Charlotte a la satisfaction de gérer son propre ménage ce qui n'aurait pas été possible si elle était restée célibataire dans sa famille. Et l'objectif de Collins dans le mariage semble avoir été de trouver une compagne respectable pour plaire à Lady Catherine. Et il a atteint cet objectif.